Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes le mardi 5 mai. Je vais bien entendu vous faire voir l'avancée de ma toile dragon. Juste une petite parenthèse, ce matin plutôt je vous ai mis une petite vidéo sur le concours des 250 abonnés. Alors déjà, je suis super contente. J'ai regardé tout à l'heure, on est à 255 abonnés. Je suis ravie. Je vous fais de gros 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 bisous. Je suis super contente. Continuez à diffuser, continuez à partager. Vous savez maintenant l'objectif, c'est plus les 500 abonnés, c'est les 1000 pour pouvoir refaire des lives. Vous êtes énormément à me demander quand est-ce que je refais des lives. Je ne peux plus. Pour l'instant, je ne peux plus faire de live. J'ai été bloquée, complètement bloquée. Donc, tant que j'ai pas les 1000 abonnés, maintenant, je ne pourrai plus refaire de live. Tout simplement parce que, avec les nouvelles mises à jour de YouTube, il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Ou alors, avoir un ordinateur chez soi, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas faire de live chez moi. Ou alors passer par des applications. Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois. La troisième fois, ça a pas arrêté de planter, de couper et machin. Et maintenant, je ne peux plus du tout me reconnecter. Après, vous allez me dire, il y en a d'autres qui y arrivent. Oui, elles y arrivent parce qu'elles ont le système d'exploitation de leur téléphone, c'est Android. Et moi, je suis passée depuis peu chez iPhone et ça ne marche pas. Voilà. J'ai essayé trois applications pour iPhone, prévues pour iPhone, mais ça ne marche pas, ça bloque. Voilà. Donc, pour moi, les lives, pour l'instant, tant que j'ai pas les 1000 abonnés, je ne peux plus en faire. Donc voilà, donc parenthèse fermée, c'est pour ça que je vous harcèle à me faire de la pub et m'envoyer des abonnés. C'est que voilà, si vous voulez de nouveau avoir des lives, il faut que j'ai les 1000 abonnés, autrement je ne pourrais plus en faire. Donc voilà, et deuxième petite chose, j'ai oublié dans ma vidéo de vous dire la date de clôture des inscriptions pour le concours. Donc on est le mardi 5 mai. Je vous laisse. Alors, je ne vais pas vous laisser une semaine complète, on va dire jusqu'à dimanche. Donc, le 10 mai. Parce qu'après, je vais reprendre le boulot. Ça va être compliqué à gérer, je pense. Déjà, là, on est mardi. Jusqu'à dimanche, c'est pas mal, je trouve. Donc, voilà, jusqu'à dimanche. La date de clôture, donc dimanche. Et après, et ben moi je peux faire le tirage au sort le dimanche soir ou le lundi soir après mon travail. Ça sera pas un souci. Et je vous mets tout de suite le nom du gagnant, enfin des gagnants, vu qu'il y a deux toiles à gagner. Je vous mettrai le nom des deux gagnants et je vous laisserai me contacter en MP. Et en principe, moi, je vais à la poste le mercredi, puisque le mercredi, c'est le jour où je ne travaille pas, donc je peux aller à la poste. Alors, le mercredi matin, parce que chez moi, la poste, elle est ouverte jusqu'à midi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que je bloque à dimanche. Dimanche, on va dire, dimanche, allez, 17h. Comme ça, je peux faire un tirage au sort vers les 17h30, 18h. Et ça vous laisse jusqu'à mardi soir pour me contacter en MP, pour me donner vos coordonnées, que je puisse vous livrer votre adresse. Que je puisse vous livrer la toile à votre adresse. Voilà. Et du coup, le mercredi matin, je peux vous livrer. Enfin, je peux aller à la poste pour vous livrer votre toile. Voilà. Sur ce, je vais vous faire voir l'évolution. Donc pas là, j'ai pas touché hein, depuis ce matin. J'ai fait deux trois courses. Je me suis occupée de dehors. Donc j'ai pas eu le temps de retoucher. Donc c'est exactement comme hier soir. Si j'ai oublié quelque chose, je reviens sur le concours. Pour l'instant, j'ai noté vos noms
avec bon, alors ça je vous fais pas voir. Ah. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai noté les noms et qui préfère quoi. Donc j'ai mis j'ai fait deux colonnes, strass carré, strass rond, j'ai mis vos noms. Quand les personnes me répondent les deux, j'ai mis des deux côtés. Je vais vous attribuer un numéro. Je suis contente parce que depuis ce matin que j'ai lancé la vidéo, j'ai quand même pas mal de retours. Donc je suis assez contente. Je vais vous attribuer à tous un numéro et je vais vous envoyer sur YouTube en commentaire votre numéro. Comme ça, lors du tirage au sort, je ne citerai pas vos noms. Je citerai le numéro. Moi, de toute façon, je garde ma liste avec les numéros attitrés. Comme ça, il n'y a pas de souci et je prononce pas vos noms. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont leur vrai nom et leur vrai prénom sur YouTube, je ne citerai pas vos noms. Comme ça, il n'y aura pas de problème. La confidentialité, elle sera là. Donc, je vais faire ça tout de suite là. Je vais m'en occuper. Je vais vous attribuer les numéros. Et je vous envoie sur YouTube en réponse de vos commentaires, je vous mets votre numéro. Vous le conservez. De toute façon, moi, je le conserve dans ma liste. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si jamais je vous oublie dans les commentaires, vous n'hésitez pas à venir soit sur YouTube, soit en Messenger. Je pense que vous avez toutes et tous mon contact Messenger. Donc, n'hésitez pas. Tant que j'ai pas repris le travail, j'ai mon téléphone avec moi tout le temps, donc il n'y a pas de souci, j'aurai vos messages. Sur ce, je vais faire les numéros et après un petit peu de DP. Bisous, à tout à l'heure. Voilà, alors on est toujours le mardi 5 mai, j'ai avancé un petit peu la toile, je vais vous faire voir l'avancée, je l'ai mise derrière au tableau pour que vous voyez bien. Donc là, elle ne sera pas à plat sur mon bureau, mais elle sera sur mon tableau derrière, de façon à ce que vous voyez bien comme il faut l'avancer. J'ai caché la partie que je suis en train de faire parce que je ne l'ai pas finie et je ne pense pas la finir ce soir. Donc ça sera pour demain. J'ai pas bien avancé aujourd'hui parce que j'ai fait d'autres choses. Donc je vous fais voir ça juste avant. Pour le concours des 250 abonnés, donc c'est avec un grand plaisir que je vous fais gagner les deux toiles, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'aimerais vraiment, et j'insiste, les personnes qui viennent, c'est des personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui font pas ça juste pour le concours. Voilà. Par respect, je trouve plus correct. Voilà, que les personnes s'inscrivent sur ma chaîne et qui restent sur la chaîne. Et pareil, les personnes qui viennent juste voir la vidéo et qui disent je participe au concours alors qu'elles ne sont pas abonnées, voilà, par respect pour les autres qui respectent les consignes, ce serait bien que chaque personne qui me met je participe mette déjà en commentaire pour quelle toile il participe, strass carré ou strass rond, ou les deux, et que les personnes qui s'inscrivent soient abonnées. Voilà. J'insiste encore une fois, j'ai eu des commentaires. Si j'insiste pour avoir les 1000 abonnés, c'est pas pour une rémunération ni rien, c'est vraiment pas pour ça. C'est juste que vous me réclamez beaucoup les lives et que je ne peux plus faire de live tant que je n'aurai pas les 1000 abonnés. Et moi, les lives, c'est ce qui m'éclate. Je préfère faire les lives et faire une petite aparté pendant le live et vous montrer 2-3 astuces que j'ai plutôt que de faire des vidéos comme ça. Donc, c'est vrai qu'en live, je m'éclate et il faut les 1000 abonnés. Donc, bah, forcément, j'essaye sur tous les groupes et toutes les chaînes si vous pouvez diffuser le message, pour avoir les 1000 abonnés.
Sur ce, je bascule la caméra et je vous fais voir mon avancée. Et voilà. Donc il y a le haut de la tête d'Harold. On voit la caverne là où ils sont. On voit bien les deux personnages, Croque-Mou et sa chérie. Voilà, l'image est assez nette. Je suis contente du résultat. Et du coup, vous voyez, je suis en train de faire la petite zone là. Et je ne l'ai pas fini. J'ai loin de l'avoir fini. Et je ne pense pas l'avoir fini pour ce soir. Donc, je vous ferai voir demain l'avancée. Et donc, du coup, là, ça sera la bande des 60 cm. Donc, quand j'aurai fini cette bande, eh ben, j'aurai fait un peu plus de la moitié. Donc voilà, je vous le refais voir en plein. Donc pour les nouvelles personnes abonnées à ma chaîne, le petit dessin qui est ici, c'est celui de ma fille. Elle me l'avait fait pour mes 100 premiers abonnés. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai voir la suite demain. Voilà, je vous le redis, hein. Trouver ma chaîne, c'est bien. S'abonner, c'est encore mieux. Je peux pas mieux dire. Donc, abonnez-vous, partagez un maximum dans vos groupes, dans vos cercles d'amis, les personnes qui peuvent être intéressées par les loisirs créatifs. Il n'y a pas de souci. Qu'elles viennent s'abonner. Il faut quand même que c'est un rapport avec le loisir créatif, ouais, c'est sûr. Donc je vous ai dit, je fais pas que du DP. Pour l'instant, ma chaîne, c'est essentiellement du DP, des bracelets et quelques recettes de cuisine. Prochainement, je vais vous faire des vidéos sur le crochet, mais là, pour l'instant, j'ai encore pas trouvé le temps et un projet à vous faire. J'ai été pas mal occupée, donc du coup, dès que je peux, je vous mettrai des réalisations au crochet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et bon courage pour ceux qui ont recommencé le travail. Voilà. Bisous, ciao ciao.